Boire de l'eau en grande quantité est recommandé pour se désaltérer et pour prendre soin de soi. Et parmi la large gamme d'eau, l'eau minérale est une catégorie d'eau dont les caractéristiques sont définies réglementairement. Obligatoirement d'origine souterraine, elle doit avoir une composition chimique stable et ne pas avoir besoin d'être désinfectée pour être consommée. Contrairement à l'eau de robinet, dont la potabilité s'obtient grâce au processus de traitement physique ou chimique. Le directeur de l'information, de la réglementation, de la régulation et du contrôle à la Direction générale de l'eau le précise. C'est une eau qui maintient sa composition physique dans le temps. Elle a une composition chimique ou minérale stable dans le temps. Vous n'allez pas prendre une eau minérale et que d'un moment à l'autre, vous faites l'analyse de sa composition chimique et elle varie. Donc c'est l'une des caractéristiques essentielles qui différencie une eau minérale d'une eau de robinet. Étant donné que cette eau-là, j'ai tout à l'heure dit que l'eau minérale est une eau protégée de la pollution. Et de fait de sa protection de la pollution, elle ne subit pas un traitement chimique. Et donc, pas différence de l'eau de robinet qui subit un traitement chimique, l'eau minérale n'est pas sujet à un traitement avant qu'elle ne soit mise en circulation. Et pour peut-être compléter un peu, je dirais que une eau minérale présente des caractéristiques qui sont liées à son processus de mise en place. C'est-à-dire qu'au cours de son infiltration, elle peut se charger en différents minéraux qui sont caractéristiques de la nature géologique des couches traversées et qui permet d'acquérir une certaine signature. Et donc, dans ce cas, nous pouvons avoir une eau minérale carbonatée, une eau minérale et maïsienne, une eau minérale sodique, ainsi de suite. Et ce sont ces éléments-là qui permettent de tirer profit de l'eau minérale ou peut-être de conseiller son utilisation pour tel type d'individu ou à un autre type d'individu. L'eau minérale possède donc des teneurs constantes en minéraux et oligo-éléments. Sa composition minérale en calcium, magnésium, sodium, potassium, sulfate lui confère des propriétés favorables à la santé reconnues par la médecine. Alors, les bienfaits de l'eau minérale sont énormes. L'eau minérale, vous savez, ça, il y a plusieurs qualités d'eau minérale. L'essentiel est de savoir d'abord le pH, le potentiel hydrogène. Est-ce que ce n'est pas trop acide? Est-ce que ce n'est pas acido-basique? Est-ce que c'est trop alcalin? Donc, il faut partir de ces bases-là. Et souvent, sur certaines eaux minérales, ils écrivent le pH pour situer les consommateurs. L'eau minérale apporte naturellement les vitamines, hein, des minéraux comme le zinc. Tu sais, le zinc, c'est un minéral dont on a besoin à tout moment dans notre vie. Et un individu doit avoir au moins 12 grammes de zinc par jour au petit déjeuner, chez les hommes, et chez les femmes au moins 10 grammes de zinc au petit déjeuner. Quand je prends l'eau minérale au moins 1 litre par jour, je bénéficie déjà de ces minéraux. De même, il y a le calcium, il y a le magnésium, il y a le zinc, il y a aussi le chlore. Donc tout ça, c'est des minéraux dont l'organisme a besoin en minorité pour un bon fonctionnement des cellules, des tissus et des membranes. De même, l'eau minérale participe à l'élimination de l'acide urique, les déchets qui se retrouvent dans l'organisme, des toxines. L'eau minérale revitalise l'organisme, donne de la vigueur à l'organisme et nettoie aussi le côlon. Parce que, pourquoi j'insistais sur le pH, nettoie le côlon et permet à tout être de retrouver sa santé et de bien transpirer aussi. Parce que pour transpirer et commenter les activités physiques, il faut boire de l'eau avant de démarrer. Et quel type d'eau? Eau minérale pour ta performance. Devenu un produit de consommation de masse, les vertus de l'eau minérale ne sont plus à prouver. Mais il ne faudrait pas prendre cette bonne eau pour un produit de consommation banal. Il faut veiller à ce que la structure de production est vraiment autorisée.
Parce que ce n'est pas, on ne voit pas n'importe quelle eau sur le marché dire que c'est une eau potable. Est-ce que le circuit qui a permis la fabrication de cette eau minérale-là répond à tous les critères? Est-ce que la structure est autorisée? Est-ce que c'est une eau qui a subi un certain nombre de processus? Est-ce que c'est une eau, au cours du processus de fabrication, n'a pas subi un traitement chimique de potabilisation? Donc, il faut veiller à tous ces éléments-là. D'abord, mais ce qu'on doit reconnaître, c'est que le consommateur n'a pas le temps de faire tout ça, de vérifier toutes ces étapes-là. Donc, mais nous avons quand même un certain nombre de structures mises en place par le gouvernement qui veillent à toutes ces choses-là. Par exemple, nous avons le laboratoire de contrôle de la qualité sanitaire des produits de santé de l'eau. Nous avons le laboratoire, le LCSSA, le laboratoire de contrôle de la qualité sanitaire des aliments, qui sont des structures qui sont habilitées à faire un certain nombre de contrôles et pour lesquelles l'État a donné plein pouvoir pour faire des contrôles. Et donc, quand ces structures, quand une eau n'a pas subi le processus de ces contrôles-là et n'a pas les agréments qu'il faut, il faut veiller à ce que le consommateur ne puisse pas consommer n'importe quoi. Et bon. Mon mot de fin, c'est d'être vigilant sur les qualités d'eau minérale qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a plusieurs qualités d'eau minérale. Il suffit seulement de mettre un nom et les gens achètent que c'est bon. Mais le grand nœud, c'est de vérifier le pH, le potentiel hydrogène. Est-ce que c'est acido-basique? Est-ce que c'est acide ou alcalin? Quand vous constatez que c'est très acide, alors débarrassez-vous de cette eau et revenez vers l'eau acido, au minéral acido-basique, qui est très favorable pour la santé, spécialement pour l'élimination des déchets, des toxines de l'organisme. L'eau minérale est à la base un produit médicinal, mais on ne précise pas assez qu'elle est avant tout à boire avec modération.